Coucou, avec Vivi, on est à la clinique Phénicia. On va se refaire notre tête pour qu'on soit. Tu te doutes bien. Pour qu'on soit. Bah, en fait, la tête que vous voyez là avec le filtre, je la veux la même en vrai. Ouais, moi aussi. Donc, du coup, on va montrer ça au docteur. On va se montrer avec le filtre et on va dire c'est ça qu'on veut. Merci Audrey, du coup, d'avoir Merci à accepté de toi. faire ce live ici. Le sujet m'intéressait beaucoup, donc quand tu m'en as parlé, c'était j'étais obligée. Bah en fait, je m'en suis doutée, figure-toi, que ça pouvait t'intéresser, du coup. Audrey, bah, on peut peut-être commencer par ce que tu te Se présentes. présenter. Ouais, te présente, parce que Bien sûr. peut-être que certaines personnes ne te connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Audrey, alias Dermatodrey sur les réseaux sociaux. Je suis médecin dermatologue et je réalise des vidéos, des contenus d'information médicale sur YouTube surtout, puis sur Instagram et sur TikTok pour apprendre à tout le monde comment la peau fonctionne, quels sont les problèmes de peau les plus fréquents, comment les gérer. Bon, Voilà. alors la chaîne YouTube marche bien d'après ce que j'ai vu. Franchement, c'est super ce que tu fais parce que C'est gentil. tu prends de ton temps, c'est du temps de faire une vidéo, j'en sais quelque chose. Donc, Sais ce que merci c'est. beaucoup. Ouais, je sais ce que c'est. Donc, merci beaucoup. Merci pour tout le monde parce que c'est important. On n'a pas forcément tous le même niveau d'information. Et le fait que des experts dans plusieurs domaines, parce que bon, il y a toi qui le fais, mais tu n'es pas la seule, Bien sûr. prenez du temps sur vous. Pour diffuser de l'information, c'est génial. Donc, merci beaucoup. Voilà. On a organisé ce live justement par rapport à une publication qui concerne la dysmorphie et la dysmorphophobie. Le premier truc, parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu flou aussi pour d'autres personnes, c'est la différence entre dermatologue et médecin esthétique. Oui, tout à fait. En fait, dermatologue, ça désigne une spécialité médicale, donc ça correspond à un diplôme précis. Donc, quand on fait des études de médecine, on peut à la fin être spécialiste en médecine générale, on peut être spécialiste en dermatologie ou en rhumatologie, ça dépend en fait du cursus exact qu'on a fait et de la thèse qu'on passe à la fin de nos études. Ça, c'est pour la dermato. Mais par contre, médecin esthétique, ça ne correspond pas à un diplôme en particulier en fait. N'importe quel médecin peut se déclarer médecin esthétique du moment que sa pratique l'amène à faire des actes esthétiques, des peelings, du laser, des interventions chirurgicales, des injections, etc. Donc, ça dépend en fait. Médecin esthétique, ça peut désigner beaucoup de choses. Le plus souvent, ce sont des médecins qui ont quand même fait une formation théorique en esthétique, donc des DU, des diplômes universitaires ou des DIU. Il y en a plusieurs qui correspondent à la médecine esthétique. Un qui s'appelait médecine morphologique, un autre dermatologie esthétique. Ce sont différents diplômes théoriques qu'on peut après afficher sur ces documents. Voilà. Mais médecins esthétiques, le plus souvent, ce sont des médecins généralistes qui ont fait des formations complémentaires pour faire de l'esthétique. Bon, ben voilà, je pense que c'est important à préciser. Donc en fait, nous dermatologues, on est spécialistes de la peau, de toutes les maladies de la peau, enfin. Même le diplôme, c'est dermatologie et vénérologie. Donc, vénérologie, c'est pas pour les veines, c'est pour les maladies vénériennes, les infections sexuellement transmissibles. Donc, on s'occupe des muqueuses aussi, la muqueuse buccale, la muqueuse génitale. D'accord. Et on s'occupe aussi de l'esthétique de la peau, bien entendu. Donc, les crèmes cosmétiques, les injections, etc. Par contre, un dermatologue ne va pas vous faire un lifting, une opération chirurgicale qui nécessite une anesthésie générale, etc. Et donc, du coup, on s'est contacté hier suite au post sur la dysmorphie et la dysmorphophobie. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qu'est la dysmorphie, La déjà? différence. Bah oui. Dys, ça veut dire anomalie. Morphie, ça veut dire forme. Donc, une dysmorphie, c'est une anomalie de la forme. Comme on peut avoir une malformation congénitale, par exemple, si vous naissez avec le crâne qui est en biais comme ça sur le côté, c'est une dysmorphie crâniale ou crânio-faciale. Si vous avez, pareil, si vous manque l'os de la mandibule, ça va être une dysmorphie du visage. On est sur une anomalie qui est réelle et qui est où le visage est. Parce que là, on parle du visage, il sera réellement différent de tous les êtres humains, de 99%, on va dire, des êtres humains sur la Terre. La dysmorphophobie, c'est quand on s'imagine avoir une anomalie au niveau du visage, bien entendu, ou au niveau du corps. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une déformation du crâne ou quoi que ce soit. Là, c'est on s'imagine avoir un défaut
qui n'est pas objectivable, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre va vous dire ah, mais non, moi je trouve pas que tu es le nez tordu, par exemple. Et puis la personne va vous dire non, mais moi je vois que ça. Alors au point de départ, il peut y avoir une toute petite asymétrie. On a tous des, on n'est pas parfait, hein, on n'a pas un visage qui est parfaitement symétrique, C'est clair. qui a des formes parfaites. Donc on a tous des petites variations qui restent tout à fait dans la normale, mais on peut focaliser son esprit dessus et en faire un complexe, en faire une dysmorphophobie. Alors phobie, ça veut souvent dire peur. Là, on n'est pas sur une peur au sens j'ai peur d'avoir un complexe, mais plutôt sur comment dire, une image de la réalité qui n'est pas tout à fait la bonne. Donc, D'où le lien avec les vas-y. filtres. D'où le lien avec les filtres, parce que, en fait, tu me demandais par message si je rencontrais beaucoup de patients qui avaient ce type de problème. C'est vrai qu'en dermato, il y en a énormément. Il y a beaucoup de gens qui viennent en consultation avec une demande qui correspond, par exemple, à des pores dilatés ou à des taches. Et honnêtement, je me mets à 2 cm de leur visage et je leur dis, mais il n'y a Je les pas de vois taches. pas. Mais si, alors les pauvres, après, il faut rester diplomate, hein, il ne faut bien sûr pas dire aux gens, mais c'est n'importe quoi, rentrez chez vous. Donc, il faut bien, bien regarder et puis dire, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de taches, là, ou en tout cas, elle est très claire. C'est très difficile en consultation, mais ouais, pour les pores dilatés, pour les taches, pour les marques d'acné qui vont de toute façon régresser toutes seules, on a beaucoup de demandes comme ça où les gens arrivent en me disant ma peau est catastrophique, je ne me supporte plus dans le miroir. Et honnêtement, on les regarde de très près, on est sur une peau qui est normale. Mais parce qu'en fait, ils ont tellement l'habitude de voir des photos qui sont photoshopées, filtrées, etc., qu'on en oublie presque, qu'on a l'impression d'avoir une peau qui est anormale ou un visage qui est difforme, On un perd la gorgé. notion de normalité. Enfin, après, la normalité, ça veut tout dire et rien dire, Exactement. mais on perd cette notion de normalité via le filtre qui est Tout à utilisé fait. sur les photos, les vidéos, etc. Parce qu'en Ouais. fait, la normalité, on la perçoit en se comparant aux autres en permanence. C'est ça. Et donc, d'habitude, autrefois, on va dire, on se voyait le matin devant la glace, on se préparait un petit peu, et puis on partait, et puis on avait des interactions sociales en face à face, donc sans le masque. Et donc, finalement, on comparait notre image du matin quand on part de chez nous, là, qu'on est bien coiffé, notre image mentale comme ça, avec les gens qu'on voit au cours de la journée. Mais maintenant, c'est plus du tout ça. Depuis un an, on a le masque, mais même auparavant, quand on se compare aux photos qu'on voit sur les réseaux sociaux, on se dit, mais moi, j'ai pas un visage si fin comme ça en bas, mais moi, j'ai pas des pores aussi, Mais j'ai des enfin, bien rides. aussi lisses, et j'ai des rides, des rides, j'ai Ouais. des défauts. Ouais. Donc, finalement, cette comparaison, elle est assez toxique. Ouais. Est-ce que tu sais quelles sont les déformations les plus souvent pratiquées avec les filtres? C'est que, en fait, selon les premiers filtres déformants, on les avait sur Snapchat. C'est une application, alors peut-être tout le monde ne la connaît pas, c'est une application de messages. Plus qu'un réseau social, là, on est plutôt sur une application de messagerie, on va dire. Où, en fait, on se prend en photo en selfie. Le selfie est automatiquement déformé. Alors, au début, c'était avec des petites oreilles de Ouais, chat, de lapin ouais. et tout, là, comme j'avais mis dans les stories aujourd'hui. Et puis, en fait, les déformations du visage ont un peu pris le dessus sur ce côté déguisement, on va dire. De telle sorte que finalement le filtre soit moins visible. C'est-à-dire que si vous mettez des Oui. oreilles comme ça, on voit tout de suite c'est un filtre. Et là, on se dit, ah, c'est artificiel et tout. Mais si on fait juste quelques déformations du visage, on voit moins le côté artifice. Et ce qui revient le plus souvent au niveau des yeux, c'est agrandir le diamètre de l'iris. Si vous avez remarqué, Ah, c'est que le d'accord. noir là de l'œil, Ouais. enfin le noir ou le bleu hein, selon les gens, est un petit peu plus grand. Augmenter la symétrie du visage, c'est-à-dire l'aligner un petit peu, diminuer la taille du nez, hein, faire vraiment un petit nez, faire des plus grosses lèvres, harmoniser les joues. Selon les personnes, la personne peut avoir des joues un petit peu plus dodues ou au contraire des joues plus creuses. Donc là, ça va lisser en fait, faire une pommette, faire un cran en dessous, définir une mandibule.
Et puis, bah, nous, en dermato, ce qu'on voit le plus, c'est le floutage cutané, quoi. C'est-à-dire, il n'y a plus d'imperfection, il n'y a plus de rides, il n'y a plus de pores dilatés, il n'y a plus de taches. Donc, si on met toute cette recette-là, on peut avoir vraiment un visage qui est complètement remodelé. Et tu as des jeunes filles ou jeunes femmes ou femmes même d'ailleurs, parce que je pense que ce n'est pas relié à un âge. Je pense qu'on peut tous en arriver à On peut prendre une tous tomber. à prendre une consultation chez un dermato et dire voilà, je veux ça. Je pense Alors, qu'il n'y a pas d'âge, on est d'accord. il n'y a pas d'âge. Alors, pour les jeunes de 15 ans, de 20 ans, ils sont vraiment, ils sont presque nés avec. Donc pour eux, ils se rendent même plus compte qu'il y a une différence, une vie finalement en dehors de ces filtres. Il y a quelques mouvements qui sortent un petit peu, hashtag no filter, body positive, etc. Mais on se rend compte que c'est quand même difficile, c'est difficile à assumer, parce qu'en fait, le selfie, la vidéo, c'est devenu un nouveau mode de communication de Communication, nos jours. Autrefois, nos parents ou quoi, pour eux, la référence de la communication, c'était l'appel téléphonique. De nos jours, les gens ne s'appellent plus au téléphone. C'est passé pour les quarantenaires à peu près au SMS. Le SMS est c'est vrai. devenu un nouveau mode de communication qui a pris le pas sur les appels. Et maintenant, le SMS, c'est complètement old school. Plus personne ne fait ça. Donc, c'est devenu le nouveau moyen, c'est le selfie. Avec un petit message très court en dessous, le selfie permettant à la fois d'indiquer où on est par son expression de visage, de dire voilà, oh, je suis au KLM, je me sens bien, ou au contraire, je m'ennuie en cours, etc. Et puis donc ça c'est pour le côté, on va dire, messagerie. Il y a tous les appels en visio. Maintenant qu'on a le Wi-Fi, la 5G ou quoi partout, les gens s'appellent en FaceTime, en visio. Donc en fait, ils se voient en permanence. Donc autant autrefois, on pouvait être tranquille chez soi et être en pyjama et dire à son petit copain, oui, je suis en nuisette et tout. Maintenant, c'est plus possible. Non, C'est-à-dire c'est sûr, qu'il y ouais. a la vidéo, il y a la preuve. Donc il y a ça, les FaceTime. Et puis depuis un an, on a les visioconférences aussi. Tous les étudiants qui sont en visioconf sur Zoom toute la journée, tous les gens, les travailleurs aussi qui ont des visios toute la journée, on se voit dans la visio. Et donc, on se compare aux autres en permanence. Comme on s'ennuie, on a le temps de se regarder, de voir son image et se dire, ah, ce serait peut-être mieux si je faisais ci, si je faisais ça. Et donc, ça nous remet en face d'un miroir en permanence. Et c'est le parallèle peut-être entre le fait de se voir en permanence tel qu'on est, parce que quand on fait un FaceTime, je ne crois pas qu'il y ait de filtre, enfin j'en sais rien, tu me diras, Non, mais je n'ai pas la on peut sensation. en mettre, mais Ah, on peut le faire? Bon, bah, tu on vois, peut moi en je mettre. suis, j'ai jamais utilisé de filtre, donc je ne sais pas, mais tout ce qui est visio, tout ça, tu ne vas pas forcément mettre un filtre. Et par contre, quand tu passes sur ton réseau social, tu vas avoir le filtre, donc du coup, tu as les deux images en permanence, et c'est peut-être C'est cette ça. dualité-là qui fait que on en arrive à se dire, OK, je préfère le filtre indéniablement, c'est plus sympa. Bien sûr. Tout le monde préfère avoir tous ses défauts lissés, bien sûr. On n'aime pas particulièrement, on n'est pas maso, on n'aime pas particulièrement se voir, comment dire, brut de décoffrage, ou en tout cas se voir avec nos défauts, parce qu'on voilà, on en a tous, et c'est normal d'avoir des éléments de notre visage, de notre corps qu'on trouve un peu moins harmonieux. On peut tout à fait s'aimer et s'apprécier tout en étant objectif, en se disant, bah, ouais, j'ai un peu de cellulite, j'ai trois vergetures, ci, là. C'est pas parce qu'on a des imperfections bah, qu'on a moins de valeur ou quoi que ce soit. On peut être honnête là-dessus. Mais en fait, sachant que on veut pas spécialement montrer nos imperfections et que les applications, les divers réseaux sociaux, ils ont besoin qu'on produise du contenu en permanence pour inonder ces réseaux sociaux et faire du contenu à regarder, à liker, etc. Eh ben, c'est pas tout à fait altruiste de leur part d'avoir C'est inventé ça. ces filtres. C'est parce qu'en fait, ça permet, pour pouvoir réagir à chaud, par exemple, se filmer justement en story ou enregistrer une vidéo sur TikTok, si on se dit, ben ah non, je suis pas bien coiffée, je vais pas me filmer et tout, ou je suis pas maquillée, je me sens pas, ben finalement, la vidéo, on va pas la faire. Donc, les applications, elles fournissent des outils en disant, bon, finalement, que vous soyez au réveil ou voilà ou pas maquillée et tout, on s'en fiche. Regardez, mettez ce filtre,
vous pourrez produire vos contenus quand même. Donc, vous pourrez passer du temps sur l'application, vous pourrez produire du contenu qui sera liké, qui va faire que les gens vont passer encore du temps. Et donc, c'est un outil qui est très utile pour les réseaux sociaux en eux-mêmes. Mais le problème, bah, c'est que ça a tellement inondé notre quotidien aujourd'hui que, bah, que finalement, nous, voilà, comme tu dis, on se compare à ces images qui sont toujours filtrées. Alors, j'avais partagé un film qui passe sur Netflix, justement, qui explique comment les diverses applications font pour te garder le plus longtemps possible sur les plateformes de réseau, quel que soit le réseau, parce que tout est détaillé. Et c'est exactement ce que tu dis, quoi. Enfin, on est là-dedans. Il y avait des petits documentaires sur Arte qui étaient passés sur Facebook qui s'appelaient Dopamine. Je sais pas si quelqu'un, si parmi vous, vous en avez dans les commentaires, vous pouvez nous dire si vous les aviez vus. C'était des petites vidéos de 5 minutes qui étaient vraiment super bien faites pour expliquer en fait finalement le but des réseaux sociaux. Oui, c'est pas uniquement altruiste, hein, c'est pour pouvoir placer de la publicité. Bien sûr. Il y a des gens qui vivent derrière. Donc, et puis maintenant, avec les capacités informatiques qu'on a, l'algorithme, l'intelligence artificielle qui est derrière ces réseaux sociaux, elle analyse en permanence ce que vous regardez, ce que vous likez, ce que vous commentez, ce que vous partagez, avec des poids justement sur ces différentes interactions. C'est-à-dire que même si vous likez pas, même si vous commentez pas, mais juste vous passez du temps à regarder une vidéo ou un contenu, bah, l'algorithme le voit et va dire « Ah, Dermatodrée, elle aime bien regarder les trucs qui sont en rapport avec l'esthétique, on va lui remettre de l'esthétique. » Bah, c'est exactement ce qui se passe. Ouais. Même moi, pourtant qui suis bien consciente de tous ces, de tous ces ressorts, à force de voir, parce que bah, pour mon contenu, je regarde beaucoup de vidéos avec justement de la chirurgie esthétique, des avant-après, etc. Donc, il y a beaucoup de rhinoplastie en ce moment. Ça inonde la rhinoplastie, ça inonde vraiment tous les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Il y a tout un défi de se montrer à quelques jours avant, quelques jours, enfin, tous les jours jusqu'à sa rhinoplastie et montrer à la fin de la vidéo le résultat. D'accord. Donc, finalement, de voir autant de rhinoplastie, ben, même moi, à la fin, je me suis dit, eh ben, peut-être que je devrais faire une rhinoplastie, alors que mon nez il ne représente pas de complexe pour moi. Voilà, en étant objectif, j'ai pas un nez qui me permette de fumer sous la douche, comme on dit, pour dire l'expression. Donc, j'ai vraiment aucune raison de faire une rhinoplastie. J'ai pas de déformation, de la cloison, quoi que ce soit. Donc, même moi, en sachant tous les ressorts, je puisse me dire, ah, peut-être que ça vaudrait le coup. C'est parce qu'en fait, toutes ces rhinoplasties avant-après, elles sont montrées bah, sans évoquer la douleur, sans évoquer les hématomes, sans évoquer les mèches, les sutures, etc. Sans évoquer toutes les complications qui peuvent être associées, parce qu'on ne vous montre qu'un avant-après parfait. Bah, finalement, quelque chose qui n'était pas vraiment un complexe, bah, ça peut valoir le coup de faire une rhinoplastie s'il n'y a aucun effet secondaire, alors que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que c'est quand même une chirurgie, il y a quand même des effets secondaires possibles, des complications possibles. Et donc, il faut avoir un vrai complexe pour que ça vaille le coup de prendre le risque de ces complications. Mais si le complexe, il est fictif, parce qu'au final, c'est juste, je me suis comparée aux réseaux sociaux alors que mon nez, il est très bien. Est-ce que ça vaut le coup d'aller faire une vraie intervention chirurgicale qui, elle, pour le coup, est dans la réalité et va vous remettre dans la réalité? C'est réel. La douleur, risque, elle est réelle. Le risque opératoire. Parce que ben il y a quand même un risque opératoire aussi. On a vu moi j'avais vu un reportage d'une jeune fille qui était partie faire une chirurgie, alors je pourrais pas te redire laquelle, qui était en larmes parce qu'elle s'était attrapée un staphylocoque. Voilà. Donc ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité quoi. Ouais. Ouais. Alors bien sûr la grande majorité des opérations se passent bien, heureusement. Bon et alors du coup comment on se protège? Comment est-ce qu'on évite d'en arriver à se dire tiens je vais me faire une petite rhino la semaine prochaine? Bah, déjà en connaissant tous ces mécanismes là, en étant conscient en fait du problème, déjà ça permet de se remettre un peu sur terre. Il faut se dire qu'en fait ces réseaux sociaux ils sont faits pour nourrir un besoin qu'on a tous et qui est un besoin d'appartenance à un groupe. C'est pour ça qu'on aime recevoir des likes parce que bah, ça nous fait une petite décharge de dopamine, même si quand on est des comptes qui ont plusieurs milliers d'abonnés comme nous, bah, on a plein de notifications, mais au fond de nous, bah, ça fait quand même plaisir. On se dit, oh, bah, c'est chouette, les gens trouvent que notre travail est bien.
Donc, on a toute une communauté qui se crée. Et pour les tout petits comptes, les gens qui ont juste quelques dizaines d'abonnés et qui correspondent à leur famille, leurs amis et tout, et ben, ça fait plaisir aussi d'avoir, c'est tout simple, hein, c'est humain d'avoir quelques likes, de voir que notre publication, elle est appréciée parce qu'on nous trouve jolie ou quoi que ce soit. Et puis pareil, quand nous, on va liker des choses, c'est parce qu'on veut montrer un certain soutien à un groupe, en tout cas, à quelque chose qui correspond à nos valeurs. On trouve que tel ami est joli, on trouve que tel club de foot a eu des bons résultats et on le soutient. En fait, le like, ça correspond à une validation de l'appartenance à un Oui, groupe. c'est Et l'être ça. humain, il adore ça. Les groupes, on en fait tous, notre famille, nos amis. Voilà, notre club de foot, notre pays, le club des amateurs d'andouillettes, je ne sais pas, mais c'est. Et quand on s'abonne à un compte, pareil, on fait partie de la communauté d'un compte. Enfin, c'est l'être humain est fait comme ça. Il aime créer des groupes parce qu'en fait, les groupes, ça crée un sentiment de sécurité. On se dit, il y a une certaine solidarité dans le groupe, on est en sécurité là-dedans, ce sont des gens qui ont des valeurs communes avec moi, on soutient tous le club de foot, machin, et on est tous solidaires dans cette action. Donc, c'est déjà se rendre compte, je pense, un peu des mécanismes des réseaux sociaux, c'est bien aussi parce que ça permet de prendre du recul éventuellement. Et quand une photo qu'on a, je sais pas, ne fait pas de like ou quoi, de pas forcément accuser, de dire mais c'est parce que je suis pas jolie, c'est parce que j'ai voilà, c'est parce que vraiment je devrais refaire mon nez ou je ne sais pas, alors que ça a rien à voir. Et puis ne nourrissez pas la bête. L'algorithme, vous savez comment il fonctionne. Plus vous allez regarder de contenu en rapport avec quelque chose, plus on va vous en refournir. Donc l'exemple, ouais, que je vous disais pour moi pour les rhinoplasties, plus j'en regarde, plus Instagram m'en fournit. Si par contre je me mets à regarder des contenus avec des cochons d'Inde parce que j'aime ces petits animaux, eh bien je vais avoir dans mon fil d'actualité plus de vidéos de cochons d'Inde, ce qui est beaucoup plus sain pour. C'est différent. C'est différent, effectivement. C'est différent. Donc ne nourrissez pas la bête avec des choses qu'en fait qui ne vous font pas du bien. Et puis ça peut être sur des petites choses. Ça peut être sur des photos de voyage, par exemple. Moi j'aime bien les beaux paysages, mais donc je me suis abonnée pendant un temps à plein de comptes de voyage qui me montraient des photos de beaux paysages. Je me disais comme ça, je m'évade, je regarde des beaux paysages et tout. En fait, a posteriori, je me rends compte que voir des gens dans des situations de beaux voyages et tout, eh ben ça donne quoi? Ça donne l'idée que tout le monde vit sa best life, et moi non. Et que moi, je suis toujours en train de travailler à mon bureau et tout. Et en fait, ça crée une petite frustration. Et donc, quand vous vous abonnez au compte de tous ces influenceurs qui vous montrent toujours les meilleurs côtés de leur vie, dites-vous peut-être que ce n'est pas tout à fait sain pour vous. De recevoir comme toujours ce type de message. Je suis à Dubaï, regardez mon bel appartement, regardez ma belle Ma belle maison. maison, ma belle piscine, ouais. Voilà. Mon beau visage, mes belles fesses toutes Oui, refaites, une belle fête, mes etc. beaux vêtements, enfin, il y a tout, tout qui va avec l'apparence de toute façon. C'est ça. Alors que ces personnes-là, elles ne vont jamais se filmer dans les conditions. Voilà, quand on est en pyjama et qu'on n'est pas maquillé et tout ça, c'est normal, hein, personne ne se met en condition de se trouver moche, hein, d'une certaine façon. Oui, C'est humain. c'est vrai, c'est vrai. J'irai pas me prendre une photo en jogging pour la poster sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est Ou ça. alors, c'est que je viens de courir un marathon, je suis super fière de moi et j'affiche le temps. Et mais oui, Voilà. c'est pour là, c'est pour transmettre un message. Et donc là, le côté physique est secondaire. Mais aller se montrer exprès, je sais pas moi, en zoom, en train de se percer un bouton, C'est pas top. c'est non, personne ne fait ça. Enfin, ici, il y a des vidéos exprès de perçage de bouton qui sont très satisfaisantes à regarder aussi. C'est un peu comme de l'ASMR quand t'es dermatologue, t'adores ça. J'imagine que le centre de retrait doit être terrible. Ça, les cochons d'Inde. Oui, voilà, c'est ça. Bon, alors moi, j'ai trouvé un truc, je le partage du coup par rapport à la vie numérique en général, pas forcément Instagram, c'est valable pour toutes
tout ce qui est vie numérique, en fait, j'ai mis un temps et je ne dépasse pas le temps journalier. Donc, et pourtant, je tiens un compte qui demande beaucoup de temps parce que entre répondre aux messages, enfin, je pense que tu sais. Faire les stories, faire les contenus. Ouais, faire le contenu, etc. Et encore, je réponds pas à tous les messages parce que vraiment, sinon, j'y passerai la journée. On en a trop. On en a beaucoup trop. Voilà. Et les gens s'imaginent pas ce que ça représente des dizaines et des dizaines de messages par jour. Ouais. Donc, non, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Donc, du coup, moi, je me suis mis un temps. Et dans mes abonnements, j'ai géré aussi mes abonnements. Donc, j'ai tout type d'abonnement, ce qui fait que j'ai pas qu'un contenu en particulier qui arrive sur mon accueil, en fait, ma page de découverte, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. J'ai vraiment tout type de, j'ai tout type de contenu. Donc, tu vois, je suis abonnée à toi, je suis abonnée à des comptes un peu plus protection de la planète. Enfin voilà, toi j'ai un petit peu de tout, des médias, j'ai un petit peu de tout. Et je like très rarement en fait, parce que je me suis rendu compte qu'en likant certaines publications, eh ben ça va être le même ça type t'en de faut. Publications qui me sont ramenées et que j'ai peut-être pas forcément envie d'avoir ces publications-là qui ou des équivalents, parce que si je suis abonnée au compte, c'est que j'aime le contenu du compte, mais en tout cas des équivalents, j'ai pas forcément envie que ça arrive du coup sur mon Explorer. Et en ayant ce temps limité sur les réseaux, ben du coup je suis deux fois plus ou trois fois plus dans ma vie matérielle, ce qu'on appelle ma vie matérielle. Je suis en 3D et plus en 2D parce que ça fait quand même une petite différence qui est assez importante. Et je vis ma vie, quoi, plutôt que d'être, bien que sur les réseaux, je vive une autre vie, parce que c'est une autre vie, mais du coup, je suis plus dans la vie matérielle que dans la vie numérique. Voilà. Mais tu as bien raison. Et cette notification-là de temps, on peut la paramétrer dans chaque réseau social. Donc, je sais que sur Instagram, par exemple, c'est possible. C'est très intéressant. Allez tous voir, là, après le live, combien de temps vous passez en moyenne par jour. C'est dans vos paramètres de compte. Vous pouvez aller chercher ça. Et on est souvent surpris. Hein. C'est plusieurs heures par jour. Ah ben, si non, mais enfin, moi, clairement, on m'a posé la question. C'est pas arrivé comme ça par hasard. Tu vois, on m'a posé la question il y a 2 mois. Et donc, je regarde mon temps et là, je vois 4 heures quotidiennes. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce que je rate dans ma vie? 4 heures, c'est énorme en fait. Même si c'est 2 minutes, parce que je me connecte entre deux rendez-vous, je vais me connecter. Je réponds à 2-3 messages. Donc, on va dire c'est 2-3 minutes, 4 minutes. Hop, et puis ça, plusieurs fois de plus. Fois 10, fois 100, etc. Voilà. Plus le soir, je me dis, tiens, je vais faire une petite publication, etc. Ça va me prendre le temps de la vidéo, le temps de. Ça prend 4 fois plus de ça temps que prévu. Ça te prend du temps, puis il suffit que tu te dises, ah tiens, la vidéo, ça marche pas pour X ou Y raison, t'as ton logiciel qui marche pas, etc. Donc, tu recommences, etc. C'est ça. Et là, tu te dis, ok, c'est pas possible. Tu peux pas rater 4 heures de ta vie quotidiennement, comme ça. Moi, en plus, ça fait 1 an que je suis un peu sur les réseaux, alors qu'avant, je n'y étais pas du tout. C'est-à-dire, je ne fréquentais pas Internet. Donc, voilà. Là, je me suis dit, ok, on va repositionner les choses. Vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est la vraie vie. Même si j'aime faire de la prévention et que je le fais vraiment, j'aime faire de la prévention, mais quand même, le vrai truc, c'est ce qui se passe dans la vraie vie, ce que tu construis vraiment. Donc, remettons les bonnes choses aux bons endroits. Et du coup, je suis en ce moment 45 minutes, je crois, quotidien. Bon, aujourd'hui, on sera un peu plus. Bien. Mais 45 minutes, je trouve que c'est pas mal. Je rate pas trop ma vie, quoi, tu vois. Il y a une autre phobie, ça s'appelle la nomophobie, c'est la peur de rater une information, une actualité, soit une actualité juste, enfin une information intéressante, soit pour nous qui avons un côté un peu professionnel sur les réseaux, une information sur laquelle on devrait interagir, rebondir pour faire justement un contenu intéressant. Donc cette limite de temps, alors elle est différente selon les personnes, hein, ça peut être 5 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, oui, peu importe, c'est pas ça qui est important, mais on a tous l'impression d'être débordés dans nos vies. Mais si vous retirez 4 heures par jour de énorme. Réseaux sociaux, vous aurez moins l'impression d'être débordés déjà, hein. Donc, c'est clair. Non, mais puis c'est pas ça, c'est que, c'est-à-dire que toi comme moi, on ne monétise pas la page. Ah non, c'est du total bénévolat. Donc, il faut trouver moi, c'est ce que je me suis dit, il faut trouver un juste équilibre dans tout ça. Et du coup, le juste équilibre, 1 heure, j'ai trouvé que c'était. Bon, c'est.
C'est raisonnable. Alors, effectivement, je ne peux plus répondre à tout le monde. Je ne vois pas tout. Il y a des choses même que je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Voilà, bon. Moi, c'était ma petite astuce, diminuer le temps de réseau et Très choisir ses bien, mais c'est contenus. une très 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 bonne astuce. Choisir ses contenus, diminuer le temps de réseau, ne pas liker, ne pas passer du temps à regarder des trucs qui au fait ne vous font pas du bien. C'est ça. Donc faire le tri dans ces listes d'abonnements, c'est vrai que c'est Oui. la santé numérique. C'est ça, exactement. Ouais, ça me plaît ça, la santé numérique. Non, mais c'est vrai, c'est important parce qu'on n'en parle pas, enfin, on en parle très peu finalement. On en parle Non, très non, il n'y a très peu, personne qui alors va que c'est vous super informer. important. Ouais. En fait, surtout depuis le premier confinement, notre smartphone, c'est devenu notre principal interlocuteur. Ouais. Les gens passent en moyenne 8 heures dessus. Parce qu'en Ah fait, on répond aux mails dessus. Voilà, on passe 4 heures sur les réseaux sociaux. Les gens regardent des vidéos dessus. C'est devenu notre interface avec le monde. ouais. Ah mais je te dis, j'ai eu cette réflexion il y a quelques semaines. Hein. C'est puis moi ça m'a fait tilt. Je suis une femme de la vie matérielle. Je suis pas une femme de la vie numérique, La quoi. réalité, c'est bien. Moi je vis ma vie. Je veux bien vivre un peu sur le numérique parce que finalement j'ai trouvé des choses très positives hein, sur le numérique. J'ai appris plein de choses. J'ai fait des super rencontres aussi. Voilà, c'est la vie numérique qui a aussi quelque chose, mais quand même la vie matérielle c'est vachement bien. Les émotions sont beaucoup plus réelles dans la vie Ah bah matérielle oui. que dans la vie numérique. Moi, je pensais que ça me ferait du bien de voir des photos de jolis paysages. Et en fait, bah, d'une part, ça ne me faisait pas réellement du bien. Et puis d'autre part, finalement, ça nourrissait une espèce de jalousie, on va dire, de se dire, ou une déception, en tout cas. Ça dépend après de nos Oui, tempéraments oui, 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 personnels, oui, oui, oui. mais une déception de se dire, bah, allez, moi, ma vie, elle est moins bien. Moi, C'est mon ça. visage, il est moins bien pour d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Bon, et eh ben en tout cas, merci On va Audrey. conclure là-dessus. Ouais. Merci Audrey. Merci à toi. C'était super de discuter avec toi comme d'habitude. Ouais, bah on remet ça, je pense qu'on aura d'autres Une occasions, il prochaine n'y a pas de souci. fois. Merci Audrey. Merci à toi. À très Merci à tout le bientôt. monde. Merci à tous ceux qui ont été présents et tous les petits messages et tout ça. C'est ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. À À bientôt. Au bientôt. revoir.